Bien le bonjour. Je vais faire une partie sur la console VideoPack Plus, plus précisément le modèle G7400 qui est la dernière version de mémoire de la console avant donc l'arrêt de la production de la part de Philips de ce genre de machine. La particularité de cette console, c'est que elle a des textures comme cela. C'est-à-dire que vous voyez tout ce qui est décoration autour, c'est uniquement la G7400 qui peut la faire, puisque sinon la première version de la vidéo pack, elle ne peut pas faire ça, elle n'affiche que uniquement les. Vous voyez les trucs jaunes qui bougent là, ça affiche que ça. Et le viseur violet, voilà, c'est tout. Bien allez, mon but c'est que je vais essayer de battre mon record, donc c'est parti. Alors bien entendu, c'est un jeu d'arcade de salon. Il n'y a qu'une seule vie, aucun continu, c'est dès qu'on est mort, on est mort. C'est comme ça. Donc le but, c'est d'aller de plus en plus loin. Hein. Je vais essayer d'exploser mon score juste comme ça pour rigoler. Hein. Je me rappelle à peu près combien j'avais tendance à faire. Donc on va bien voir ici si je vais faire pareil. Donc ça se joue avec anticipation, hein, clairement. Puisqu'il faut anticiper le mouvement des bombes envoyées par les vaisseaux aliens et puis la vitesse des vaisseaux. Bon là c'est le niveau 1, donc bon, on va passer au niveau 2 déjà. Le carré, la fenêtre blanche, c'est quand on passe au niveau suivant. Donc là on va passer au niveau 2 et bon ça va déjà se complexifier un peu parce que les missiles sont plus gros, les vaisseaux sont plus petits, enfin pas tous mais beaucoup, etc. Ça va être de plus en plus compliqué. Et après, ça va aller de plus en plus vite. Sachant que je n'ai pas le droit à l'erreur. Si je me prends un mur, n'importe quoi, je suis game over. Hein? Le seul truc que j'ai en ma faveur, c'est, vous voyez, les trucs qui clignotent bleu là, sur mes épaules. C'est un espèce de bouclier qui m'autorise à recevoir un seul missile sur la tronche. Mais une fois que le bouclier a sauté, il faut attendre plusieurs secondes. Je ne sais plus combien, mais c'est assez long. Avant que le bouclier soit régénéré. Comptez une dizaine peut-être secondes, voire un peu plus, pour que le bouclier soit régénéré en fait. Alors non, je suis désolé, il n'y a pas de musique, effectivement, sur ce. Il n'y avait pas de musique sur ce genre de machine. On avait juste les petits effets spéciaux sonores que vous entendez là actuellement. Hein, c'est tout ce qu'il y avait. N'y a pas de lézard, il n'y a pas de musique, c'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Après, il y a un deuxième jeu que j'aime beaucoup jouer aussi. Je vous l'ai montré rapidement sur ma chaîne. Je referai une partie à l'occasion. Ce sont des parties très rapides, par contre. Je vais pas aussi loin que sur ce jeu-là. Puisque c'est pareil, hein. On n'a qu'une seule vie, zéro continu. Hein. On se fait mort. En plus, là, on n'a même pas de bouclier sur le sur le deuxième jeu. Donc, comme ça, c'est fait. C'est un jeu d'arcade, hein, donc voilà. Je crois même qu'il. Ce genre de jeu d'arcade, c'est peut-être même pire que le jeu d'arcade payant, parce que vu qu'on a zéro chance, du coup, on n'a pas le droit à l'erreur en fait. Hein. Les erreurs, c'est pour les petits joueurs. Ah, je me suis pris un missile, je m'en suis même pas rendu compte. Là, si je continue de survivre, ça va. C'est bon, le bouclier est revenu. Vous avez vu le petit missile qui a grossi un peu? Et alors ça, c'est mon cauchemar, le truc qui vient de tomber là. Parce que généralement, c'est ce qui me met game over direct. Hein, parce que là, ça va, c'était gentillé parce que c'est tombé tout doucement. Mais c'est le début, hein. Après, il va tomber de plus en plus vite. Et à un moment donné, je vais perdre le contrôle. Ça teste nos réflexes. Hey, salut. Hop, mais raté. Bon, tant pis pour moi. Hein. Alors, on a le droit de rater les vaisseaux adverses. Oui. C'est pas gênant. Le principal, c'est qu'on ne prenne pas de missiles et qu'on ne rentre pas dans le mur. Le mur, c'est ce qui est le truc orange sur les côtés là. Tant que je rentre pas dans le mur, il n'y a pas de problème. Niveau suivant.
Hop. Donc là, on passe aux choses sérieuses. Les vaisseaux commencent à prendre la vitesse. Ça se joue avec anticipation et observation. Hop, loupé. Mais bon, je me suis pas pris de bombe, donc c'est pas grave. Alors, j'imagine, hein, certains qui risqueraient de rigoler à voir ce genre de jeu vidéo. Mais moi, il me plaisait énormément ce jeu, et puis j'aime toujours y jouer, de toute façon. Hein. C'est sûr qu'il n'y a pas besoin d'une carte graphique, ray tracing et des LSS, et j'en passe des meilleurs. N'importe quel PC bureautique fait l'affaire pour jouer ça. Hein. Ah, ça, c'est un vaisseau allié, faut pas tirer dessus, sinon on perd des points. Et c'est bon, c'est passé. C'est vrai qu'il fait toujours peur ce truc qui tombe parce que ça prévient fort. Hein. Il n'y a pas d'indice à l'écran pour. Pour le. Déjà, hein, ça va commencer à être tendu là. Commence à arriver vers mon score assez élevé. Je me rappelle que je devais dépasser à peu près les 5000 de ce point. Faut voir. Tout peut arriver. Alors, ça, c'est vaisseau allié, faut pas y toucher. Et 5060, mais voilà. Généralement, c'est mon score. Voilà. C'est très difficile à éviter le truc. Bon allez, je refais une deuxième partie, ce coup-ci je vais moins parler. Maintenant que vous avez compris le but du jeu. Alors bon, je joue pas bien parce que je perds déjà mon bouclier au niveau 1. Donc c'est pas bon. Mais bon, au début ça va, le bouclier il revient assez vite. On a le droit à ce genre d'erreur. Vite ça va trop lent, hein, trop lentement, là j'ai moins l'habitude. Alors on pourrait se demander pourquoi je me décale jamais sur la gauche quand les vaisseaux viennent vers moi. Bah ça, je sais pas, j'ai pas le réflexe de le faire. Et par contre pour me décaler à droite j'ai pas de problème, mais me décaler à gauche j'y arrive pas, je sais pas pourquoi, c'est mental je pense. J'y arrive pas. Dès qu'ils vont à gauche j'y vais pas en fait. Ça a toujours été comme ça hein, même sur la vraie console. Hein. Jamais été capable de la gauche. Sauf pour les vaisseaux en l'air là-bas là. Quoi quand même, quand ils vont à gauche, j'y arrive avec moins de facilité. Pourtant c'est pareil hein, mais bon je sais pas. Bon, passer au niveau suivant avec même pas 1000 points, c'est un peu tendu. Mais bon, 5060, oui c'est ça, c'est mon record en général. Je suis pas certain de l'avoir déjà dépassé en fait. J'arrive pas, je sais pas. J'arrive pas à aller à gauche. C'est mental. J'ai pas le réflexe de la gauche, je sais pas. À droite et milieu, y'a pas de problème, mais à gauche, j'y arrive pas.
Même au travail, ça m'arrivait de jouer à ça. Pendant la pause déjeuner ou ce genre de choses. Pendant que les collègues allaient fumer, moi je jouais à ça. Oui, parce que si vous me... Et non! Ah, 2000 balles, pardon, 2000 de points pour... Puis déjà se taper ça, je crois que je vais pas avoir un grand score sur, ce... sur cette partie-là. Loupé. Loupé. Ah, il faut être un artiste pour y arriver. Hein. Oh ouais. Parce qu'ils vont à gauche. C'est un vrai problème avec la gauche, moi. Ils vont à droite, je rate rien. Ou presque rien. Hop, loupé. Et en plus, j'en suis pris un. Ça craint du boudin. Hein. Niveau suivant, allez, ça fait pas 3000. Alors oui, subtilité, si vous avez pas vu, hein. Si je détruis l'adversaire, ça annule son, ça annule la chute de son missile en fait. Les vaisseaux, on dirait un sapin Noël qui me court après. Ça m'a toujours fait marrer. Et non! Ah, je suis passé. Punaise. J'ai passé mon score. Comme quoi, des fois, on peut prendre du retard, mais arriver à faire des points quand même. Niveau suivant, ça va être tendu là. J'arrive pas souvent à ce niveau-là. Et non! Voilà, 5810. Voilà, bon, bah ça va. Voilà, là ça va aller pour cette fois-ci. Voilà, je suis content, j'ai refait une partie d'un jeu que j'aimais beaucoup. Allez, je vous dis à la prochaine.